Alright tout le monde, je suis Justin et on se retrouve sur la suite de Starfield. Donc là j'ai fait un voyage rapide, là je me suis rendu en fait, je sais pas où mon vaisseau, là, je sais pas comment je me suis fait pour m'y rendre. Où mon vaisseau? Ok, je suis parké loin man. Fait que je me suis rendu, il fallait se rendre avec Terra. Puis c'était là où on a commencé le jeu en fait, donc nous sommes de retour après quoi 60 heures de jeu avec des gears légendaires et tout. Avec Sarah. Ah, elle voulait nous parler de quelque chose aussi. Là, tu veux? Je profite de cet instant au calme pour vous demander comment vous vous sentez. Après votre expérience au temple, vous avez fait peur à tout le monde à la loge. Ah, je ressens une certaine puissance, comme si de l'énergie me parcourait. Inattendu, dirons-nous. D'après ce que j'ai entendu, votre corps a absorbé une énorme quantité d'énergie d'un type qu'on ne comprend absolument pas. On a affaire à une inconnue de la science moderne. Qui sait comment cette rencontre a affecté votre corps ou votre esprit? J'apprécie votre sollicitude, mais je vous jure que je vais bien. Ok, tant mieux. Je suis ravie de l'entendre. Ce temple prouve que nous avons affaire à des entités inconnues. Le problème, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de leurs intentions envers nous et d'où ils se trouvent désormais. Je doute que des êtres malveillants m'aient concédé cette nouvelle aptitude. C'est possible. C'est juste que je crains qu'on avance vraiment à tâtons. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que ceux qui ont créé les artefacts sont les mêmes que les bâtisseurs du temple. Tout le reste n'est que supposition. Autant me bander les yeux et lancer des fléchettes sur des théories écrites au mur. Ah, j'espère que ça va être des extraterrestres, une genre de race extraterrestre. Parce que là, c'est juste des humains qu'on voit. On n'a pas de race extraterrestre humanoïde comme, tu sais, comme dans Star Wars, et que c'est de même, c'est des bonhommes verts, puis qui parlent, puis c'est que c'est là, tu sais. Je pense que vous prenez les choses trop au sérieux. je pensais que vous trouveriez ça exaltant. Oh, croyez-moi, je suis totalement exaltée. Réfléchissez au sens de ces recherches. Les questions qu'elles soulèvent sont à elles seules ahurissantes. À qui était destinée cette extraordinaire structure? Depuis quand ces entités habitent-elles notre univers? Existent-elles encore quelque part? Cet temple a peut-être toujours été destiné à l'humanité. Les artefacts, le temple, ce pouvoir, c'est un énorme mystère. Effectivement, c'est un mystère que je... bien résoudre. C'est marrant. Je pensais que les artefacts seraient le pinacle des découvertes scientifiques, le pinacle des mystères de notre époque. Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé découvrir quelque chose de cette ampleur. Quel que soit ce que c'est, j'espère juste que vous en ressortirez indemne. Oh yes, le flirt! Dire que j'ai cru un instant à être l'objet de vos rêves les plus fous. Ah, si, justement, je parlais du pouvoir que vous avez acquis, d'un point de vue scientifique, évidemment. Écoutez, j'ai déjà trop usé de votre temps. Tout ce que je peux vous promettre, c'est de ne pas vous abandonner face à ce mystère. Quoi qu'il arrive, je resterai à vos côtés pour vous épauler. Merci. Je sais pas si les dialogues changent vu qu'on est mariés. Comme là, j'ai eu le flirt. Puis elle me répond comme, ben oui, vous êtes mes rêves les plus fous. Parce que là, on est mariés. Mais si j'aurais fait ça, mettons, ou si il y aurait... Oh, peut-être qu'il n'y aurait juste pas eu le dialogue de flirt, en fait. Ouais. Anyway, bon. Vous êtes de retour? Salut, boss. Lynn? Oh non, commencez pas. Je me suis assez coltiné Barrett comme ça. J'ai pas besoin qu'il m'envoie son clone. D'autres pirates se sont pointés en votre absence. On n'a pas eu la même chance. Calvert, Troy, une partie des nouveaux poudreux. Ils ont pas survécu. Empathie. J'ai le sentiment que leur porte leur perte vous affecte la porte. Il comptait pour vous. Effectivement. On se dit que l'important, ce sont les délais, les crédits. Mais au final, ce sont des individus qui bossent, pas des machines. On pense qu'en étant strict, ils vont se concentrer sur le travail et ne pas vous tomber dessus en cas de pépin. Mais la vérité, c'est que tout patron souhaite leur réussite.
Dans tous les cas, je me retrouve coincée derrière des caisses avec Barrett. Ça tire dans tous les sens. Son sourire a disparu de sa jolie gueule, parce qu'il sait que la fin est proche. Je commence à m'équiper pour aller me battre, quand ce con pose la main sur mon épaule et me dit « Reste ici, Lynn, je m'en occupe. » J'ai déjà attendu ça, c'est du suicide. Ça fait froid dans le dos. En tout cas, pas pour eux. Barrett est plus dangereux qu'on ne l'imagine. La seconde d'après, deux des pirates sont morts, et il tient le troisième dans une clé d'étranglement. Il le chope et demande à discuter. Sinon, je vous prouve le principe d'action-réaction avec le lobe temporal de ce type. Et c'est là qu'ils ont fait venir Heller. Gros, moi j'ai tué des Zorimorphes, man, j'ai fait plein d'acides d'affaires, j'ai fait toutes les quests de faction, écoute, j'en ai fait du stock, j'ai tué un alien niveau 85. Tout allait si bien jusqu'à ce moment. J'ai rien entendu. Mais après les 10 secondes les plus longues de ma vie, Barrett a levé les mains et ils ont tous les deux fini par monter à bord du vaisseau pirate. Et c'est la dernière fois que je les ai vus. Lynn, je dois retrouver Barrett. Ils ont pu s'asseoir n'importe où. J'ai envoyé une transmission au vaisseau depuis le bâtiment des communications avant leur départ, mais les pirates ont dû la brouiller. Je vous empêcherai pas de tenter votre chance. Mais quand bien même vous les trouveriez, ils seront probablement plus vivants. J'ai perdu beaucoup d'hommes, vous savez. J'ai plus qu'une envie. C'est de me barrer. Mais dans mon crew, on espère fort. T'as-tu vu mon armure, man? T'as-tu vu l'armure de Sarah aussi? Check ça, man. Il y a juste son gun, j'aimerais ça y avoir trouvé un gun blanc. Puis j'ai un shotgun, mais c'est parce qu'elle tire à distance, là. Est-ce que je peux interagir avec ça? Elle est vraiment cool, ma tenue, man. Moi, je l'aime bien. Y'a pas une affaire de lune ou de quoi, public, non? Parle de, je sais pas, moi, la terre, des vestiges et tout. C'est quoi ça? Bah, je m'en fous de cette tenue-là, man. Moby Dick. Une batterie d'urgence, on va le prendre, on sait jamais. Les Doritos. C'est quoi, c'est les douches? La salle de bain. Bon, ok, assez perdu du temps, là. C'est pas comme j'aurais besoin de loot, plein d'affaires ici, là, niveau 1, là. Ah, Sarah? Elle est tellement badass. Un melon d'eau random de même, ok? Ah, je savais qu'il y avait des trucs à faire ici. Nice. On a une autre batterie ici. Si vous voulez réparer cet ordinateur, il faut une batterie. Je vois pas en quoi ça nous aidera. Et merci.
Oh, c'est le début du jeu, vraiment, là. Ah, rappel des souvenirs. Nostalgie, man. Dretti, là. Voilà. J'arrive pas à croire qu'on se soit mis dans ce pétrin. Tu veux bien te taire? J'essaie de faire les calculs d'astroportation avant que nous ne soyons plus à portée. À portée de quoi? À portée de l'antenne sur Vectera. Tu veux bien suivre un peu? Quand on sera en dehors du système, la bande passante passera de vitesse instantanée à encéphalogramme plat. Et à quoi ça nous servira d'envoyer une transmission là-bas? Vous allez dire à Lynn à quel point on est dans la mouise? Elle a même pas de vaisseau! Tu sous-estimes le nombre d'admirateurs que j'ai dans la galaxie, Heller. L'un d'eux viendra forcément, ne serait-ce que pour revoir ce joli minois encore une fois. On est foutus. Foutus avec un F majuscule. C'est bon. Alors, qui que vous soyez, vous trouverez des coordonnées interstellaires dans les métadonnées de cette transmission. Venez nous secourir. Ah ouais? Venez nous secourir. Il est full tranquille. Alright. Let's go. Alors, vous avez remis cet ordinateur en route? J'ai trouvé une transmission de Barrett. Quoi? Laissez-moi jeter un œil. C'est marrant. Même s'il est vivant, j'ai aucune envie de le revoir. Heller, par contre... Ok, je vous envoie les données de géolocalisation contenues dans la transmission. Je compte sur vous pour les retrouver. D'accord? Merci, Lynn. Argos ne va pas venir me chercher avant un bout de temps. Alors, vous me trouverez ici, si nécessaire. Et au fait, si vous avez besoin de bras, je suis en train de réfléchir à une reconversion. Il serait peut-être temps de quitter Argos. Yes, on peut la recruter. On dirait que vous avez pas chômé. Nice. Mon contrat avec Argos. Vous êtes exactement le genre de compagnon de voyage dont j'ai besoin. Vous devriez venir avec moi. Ce sera avec plaisir. Je suis pas exigeante sur mes affectations. Je vais là où on a besoin de moi. Bon. Bon, mais là, le problème... Ouais, mais pourquoi? Elle peut pas juste aller dans le vaisseau, Kalik? Je veux qu'elle aille dans le vaisseau. Là, si je fais ça, elle va juste s'en aller. Ouais, là, il est assigné, là. J'ai le droit à 7 équipages. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manquerait un. Bon, je vais me mettre au travail. On dit... Et où, Sarah? Ah! Ok, qu'est-ce qu'on y dit? J'aimerais que le temps s'arrête quand nous sommes ensemble. J'ai tout dit, là. Je n'aimerais jamais personne autant que vous. Oh. Prenez soin de vous, mon cœur. Bon, là, Marika, elle va crisser le camp, je parie. J'aurai quelque chose pour vous quand vous aurez un moment. Ça, je trouve plat. Bonne chance pour retrouver Barrett.
Et ouvrez l'œil aussi pour Heller, d'accord? Je vais lui donner une tenue là, plus haute que ça. Oh non, fuck, Marca est parti avec ma tenue de Ranger, man. Pas le Ranger, là, mais en ce cas, une tenue fucking badass. Bon, elle, qu'est-ce que je pourrais bien donner à Lynn? Je vais donner une petite tenue de malade. Je vais lui donner celle-là, man. Et elle? Peut-être pas elle, là. Qu'est-ce que je ferais bien lui donner? Une tenue de pirate. Un poncho? Non, non, non. Bon, ok. Je pense que je vais lui donner une tenue. Ouais, le pirate, let's go. Un trophée, ça quand même. Bonjour. Lynn, t'es où? J'arrive pas à croire que bah. Je vais vous prendre ça. À bientôt. Ouais. Ouais, là, Marika, elle a disparu. Elle est rendue, elle, là? Ouais, elle est encore dans le vaisseau. Elle est où? Je suis partant pour une petite aventure. Ah, elle est là, nice! Oui? Elle reste dans le vaisseau? Cool. Vous n'avez qu'un mot à dire et je vous suis, capitaine. On vous attend quelque part? Nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler de ce qui s'est passé dans ce... Ah. Temple? Je ne sais pas trop comment l'appeler. Dans tous mes voyages dans les étoiles, je n'ai jamais vu une chose pareille. C'était quoi, à votre avis? Ça ressemblait à aucune culture dont j'avais entendu parler. Moi non plus. Et je pense que personne de vivant ou de mort n'en a entendu parler également. Il est trop tôt pour spéculer sur les origines de ce lieu. Mais comment faire autrement? Après tout ce que vous avez vu, vous n'avez pas une idée? Il est impossible que ce lieu ait été construit par des humains. C'est dur de dire le contraire, mais les implications... Je suis désolée. Après tout ce qui vous est arrivé, je devrais me soucier de vous. Vous allez bien? Vous avez des effets secondaires? Tout va bien, je me sens en pleine forme, mieux que jamais. Vous voulez dire à part les super nouveaux pouvoirs que j'ai acquis? Je veux bien, merci. Non, tiens, on va faire ça. Un cynique dirait que c'est un effet secondaire en soi. Mais pour l'instant, partons du principe que vous avez eu beaucoup de chance. Les artefacts, ce temple, cette nouvelle compétence que vous avez acquise, tout ça est connecté. C'est bien plus important que ce qu'on pensait. C'est pour ça que Constellation existe. Quand tout ça serait fini, nous serions riches, non? Ah, ça travaille ensemble quand nous sommes allés si loin. Oui, vous avez raison. Et si nous continuons à faire équipe, peut-être que nous pourrons lever le voile sur tout ceci. Maintenant, nous avons encore plus de raisons d'aller de l'avant et d'en savoir plus sur ce qui se passe ici. Bon. On s'en va où, là?
Ici. Vaisseau écrasé, c'est lui. Tout est vert, on peut atterrir. Pas établir d'avant-poste. Oh, wow. Beau là. Oh. Ah, il est loin, merde. Pourquoi qu'ils me mettent loin de même? Ah, c'est vraiment cool, man. J'aime la gravité comme ça. Oh. Non, je l'ai pas allé dans ma map. Oh non, dis-moi pas que le jeu vient de planter là, calice. Bon. Crise de freeze. Va bien là? Ouais, ok. Bon, mon équipage là. New Atlantis. Ah, c'est Star Eagle, ok. Elle aussi est encore là. Ok. Je sais pas pourquoi que le fan y a crissé son camp. T'sais, il a pu rester dans le vaisseau, man. Tant pis. Ah, on le voyait là. Ouais, des fois je fais une petite thumbnail là, je bouge pas. Fait que comme ça, quand que je vais regarder ma vidéo, ben là je vais aller voir ça, je vais faire un screenshot, puis après ça, ça va être ma thumbnail. Qui vous prenait pour un pirate revenu me tuer. C'est bon jour de chance, hein? Ok, malgré votre dose d'analgésique, vous avez l'air étonnamment en forme. Si on considère le crash du vaisseau, vous voulez dire? Oui, oui, vous avez manqué le pire. Je suis presque sûr qu'on a pris tous les médocs d'urgence qu'on a pu trouver. Et, vous savez, quand je me suis occupé de vous sur Vectera, j'ai vraiment pensé vous avoir sauvé la vie. Quel moment de fierté. Alors, c'est qu'un juste retour des choses. Effectivement. Sans votre aide, Constellation n'aurait jamais accueilli ce nouveau membre si précieux. Pouah. J'ai eu tellement peur quand on m'a fait monter à bord de ce vaisseau pirate. Marit me disait, je suis désolé, je vais nous sortir de là, fais-moi confiance. Me faire confiance, dès ce que je demande à ceux qui ne devraient pas me faire confiance. Ça explique pas le crash du vaisseau. Oh, mais j'y viens. Il me dit qu'on doit faire semblant de vouloir se battre. Faire croire aux pirates qu'ils doivent intervenir avant que l'un de nous ne tue l'autre. Je me souviens juste l'avoir entendu crier « Ce gosse est un tueur! Comment je suis censé me défendre contre ses dents acérées? Il veut m'arracher le visage !» Franchement, je pensais pas qu'ils mordraient à l'hameçon. Mais ils sont venus. Et tout à coup, on se battait avec deux d'entre eux. Barrett a réussi à attraper une de leurs armes. Ah. Et il a tiré à mauvais endroit? Bingo. Il
Il a tiré dans le dos du pilote et la balle a traversé la console de pilotage. On a quitté notre orbite comme un projectile dans un lance-pierre. J'ai perdu connaissance et quand je suis revenu à moi, il était là, tout sourire, comme si de rien n'était. T'as loupé le meilleur et l'heure. Non mais sérieux, je me plie en quatre pour te sauver les miches et toi tu dors. Et puis après, il a fait le truc du pistolet avec les doigts. Barrett n'est pas là, je dois le trouver. Ah oui, j'aurais dû vous en parler en premier. Je vous ai pas dit que je prenais des tonnes d'antidouleurs. Alors, j'étais ravi quand un vaisseau s'est pointé, et puis un peu moins quand j'ai compris qu'il appartenait à la flotte écarlate. Et j'étais encore moins, mais vraiment encore moins ravi quand Barrett a dit « C'est bon, je m'en charge ». Il leur a marmonné quelque chose et puis ils sont tous partis. Tu supposais que les pirates détiennent Barrett? Ouais, pardon, c'est franchement pas de bol pour vous que je me trouve là, à moitié inconscient. On a reçu un signal du vaisseau avant leur astroportation. J'imagine qu'il s'agissait de Barrett. J'étais pas en mesure d'écouter. Désolé. Tenez. Je devrais venir avec vous, non? Je pense que vous trouverez personne d'autre. On va vous remettre sur pied. Ouais. D'accord, mais... me demandez pas de gérer des machines lourdes avant un bout de temps. Donnez-moi juste une minute. Je crois que le pire est derrière. Ouais, tout ira bien. Tout ira bien. Je suis prêt à balancer des vannes. Faites-moi signe quand vous voudrez y aller. Ok, on peut recruter full de monde. Il y aurait toujours cette place de libre sur votre vaisseau. Je vais quitter ce rocher. Ouais. Ouh, je suis soulagé. J'ai cru un instant que vous alliez me laisser en plan. Alors, c'est quoi le programme du jour? Ouais, mais c'est parce que, man, là, j'ai full de stock, là. Oui, le poste d'équipage, je sais, mais... Je veux qu'il aille sur le vaisseau. C'est compris. Alors, à la revoyure. Merci de m'avoir embarqué dans votre aventure. Est-ce qu'il y va dans le vaisseau? Il s'en va même pas dans le vaisseau. Star Eagle, il est au Star Eagle. Ah, lui a crissé le camp, Star Eagle. Ok, si j'enlève. Ben, je pense qu'il est correct là, je pense qu'il va aller dans le vaisseau lui là. Ok, là on fait quoi? Ah ok, écoutez la transmission aux urgences. Ah, j'ai pas de nouveaux objets, c'est dans quoi ça? Dans notes. Venez nous secourir. Et
Oh, là, on est supposé en avoir d'autres, je pense. Note. Ah non, je pense que c'était... Ah, c'était même pas le bon. C'était le 2, là, que je lise. J'écoute. Vous avez donné beaucoup de fil à retordre à la flotte, Barrette. Eh, depuis quand survivre à une attaque, c'est donner du fil à retordre? On appelle ça répliquer, c'est tout. Eh, pilote, tu pourrais pas décaler un peu ton... Je code pas vraiment qu'est-ce qu'il dit, c'est un petit peu long. J'ai quelque chose pour vous, quand vous aurez une seconde. Bougez pas. Il essaie de voir notre destination. Il est probablement en train de transmettre cette conversation en ce moment même. Donc nous sommes encore en orbite. Ouais, bah... C'est un peu évident, non? Ok, ok. Laissez votre arme. Je regarderai plus. Voyez? Je sais pas vous, mais je crois qu'on aurait pu tomber sur bien pire que cette splendide vue de l'espace de l'autre côté de la fenêtre. Je suis bien contente de vous revoir en un seul morceau. Que nous serons rentrés à la base. Vous avez besoin de moi au système d'armement, capitaine? Ah, il est là. Besoin d'un coup de main pour extraire des trucs? Hop. Ok, attends. Tenue. Là, je vais changer la tenue à chose. C'est quoi ça? Tiens, lui il va mettre une tenue là, ben une grosse tenue man. Je vais lui donner ça avec le béret man. Ça va être cool avec. Comme ça. Puis à Aline, je pense que je vais y changer sa tenue. Ça, je vais donner ça à... Ah non, attends, ça, j'aurais pu donner ça à l'autre. Comme ça. Je sais pas quand je reviens de l'habiller, l'autre. Écoute, je vais essayer comme ça. Barrette, lui, pas Barrette, là. Ok, Lynn. Lynn. Comment ça va? On va changer d'équipement. Réglons ça et continue. Bon, ça ne t'a pas que t'aies la tenue de pirate. Je vais la reprendre. Merci. Je vais prendre ta tenue aussi. Bon, là, toi, Lynn, tu vas avoir cette tenue-là. Et puis, elle. Ok? Parfait. Bon, tu ressembles à quoi avec ça? Ah ouais. Bonne chance. Un vrai soldat, Lynn. Une brève histoire du temps. Si vous trouvez une édition, n'importe laquelle, je serai votre ami pour la vie. À quoi je vous sers en restant planté là? Contente de vous voir. Non, je pense qu'à Lynn, je vais lui donner d'autres choses. Ouais, désolé, Lynn. Écoute, tenue. Et je vais te donner elle à la place. Et voilà. Revenez vite. Je sais pas, hein? Ouais, c'est une tenue quand même cool, là. Cette affectation me... Ok, voyons voir. Agent de l'équipement. Je vais te prendre ça. Bon, dans mes tenues. Ah, calice. J'ai donné la mauvaise tenue. Ouais, j'y ai donné. Ah, un vrai soldat. C'était tout. Oui, vous avez besoin de moi? C'est un plaisir de vous voir. Besoin d'aide? Ouais, ta tenue, elle fait pas tant, là. Je vais peut-être la récupérer, sorry. Au revoir. Je crois que je vous serai plus utile à bord du vaisseau. Comptez sur moi, capitaine. Ah, ok.
Ok, ça c'est mes tenues. Serais-tu pas pire avec ça, elle? Ah merde, c'est pas ça que je voulais pas en tout. C'était sympa de parler avec vous. On dirait que quand j'ai des tenues, où est-ce qu'on voit pas le face, là, ça me gosse un peu. Sans mourir, c'est déjà une victoire. En tout cas, je sais pas, là. Quoi, quelle tenue donner aux autres? Lynn, je suis pas sûr qu'est-ce que je pourrais bien y donner, en fait. Qu'est-ce que j'ai comme tenue là-dedans qui serait cool, Lynn? Je préfère ça off-screen, là. Je sais pas pourquoi que je suis en train de faire ça direct là, là. Mais, ah, mais regarde, Lynn. Lynn, je vais lui donner ça. Elle a cette tenue-là. Ouais. Je pense que je vais lui donner ça. Avec un casque comme ça. J'ai ce casque-là. Lynn! Bonjour! Comment puis-je vous aider? Tenue? Ah, cool cette tenue-là. Faudrait que j'habille quelqu'un comme ça. Et voilà. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Là, je suis prêt à l'habiller de même. J'aimerais reprendre la route. Vous voulez bien que je vous... Désolé, mon sac est un peu en bazar. Partager, c'est aussi s'occuper des autres, hein? Je vais laisser sa tenue comme qu'elle était. Merde, c'est pas ça que je voulais... À bientôt. Ok, voilà. Je pense que si je trouve un bikini, je vais y donner. Ça reste que je trouve que les tenues, quand je vois le visage, je trouve ça plus beau un peu. J'aime pas ça quand je vois pas le visage. Oh, ok, désolé, on s'en va maintenant. Attends, c'est quoi l'autre quest? Trouver le pouvoir qui est là. C'est où ça? On va-tu le chercher? Oh, c'est bon, ok. Let's go. Une anomalie. Atterrissage imminent. Je pourrais même pas compter le nombre de planètes inhospitalières que j'ai visitées. Waouh. Ah mais c'est là en fait. Ah hey, c'est bien cool. Ça man, là, faut bien trop que je fasse une... Waouh.
Est-ce que Lynn, je l'ai affecté à mon vaisseau? Non, là, je suis dans la map. C'est pas ça que je veux. Parce que si elle s'en va pas, en fait, Lynn, je pourrais juste la retirer. Puis je pourrais aller rechercher mon fan dévoué. Ici, boum. Et voilà. Je l'adore, mon bonhomme, comme ça. Il est vraiment cool. Je pourrais mettre mon vaisseau, tout ce qui est brun, je le mets rouge. Ouais, mais il ferait trop pirate. Je le laisse comme qu'il était. Je le laisse par défaut. Ah, t'es sérieux, là? Ici. Le temple Alpha. J'espère que ça sera pas aussi long que la dernière fois, parce que c'est long ça là. C'est moins long que la dernière fois. Ouais, c'est quand même vraiment cool en fait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Y'a rien. Ok, bon, ça c'est fait. Bessel. Voilà, Bessel. Encore là. J'ai des choses pour vous. Il y a tout le temps plein de choses pour moi. Support d'atterrissage déployé. Allumage des rétrofusées. Ok, il y a un pouvoir. Ah, on bug d'une roche. On fait juste aller chercher des pouvoirs. En train de faire thumbnail.
Ouais, il y a un petit peu de monde, hein? Les autres qui sont gassants. La petite tourelle. Oh, hein, le parcours. Ouais, en vrai, là... Oh, tabarnak, 321, alright? Instruction de Delgado. Dans le... Il Delgado, il est en prison. Ah, attends, regarde. Normalement, il me fout la paix, là. Ah oui, ça serait une belle thumbnail, check ça. T'arrives ici, là. Direct là, là. Et voilà. Oh, c'était ma thumbnail. Bon, c'est quoi ces instructions? À l'attention de la flotte écarlate, ici Delgado. Vous vous êtes répondu aux quatre coins des systèmes occupés, comme convenu. Continuez comme ça. La Confédération Libera Astra, l'Union Coloniale, ils croient que la galaxie leur appartient. Ils ont tort. Elle appartient au peuple libre de la flotte écarlate. Elle nous a toujours appartenu. Nous ne faisons que reprendre ce qui nous revient de droit. Et nous retournerons leur égoïsme et leur arrogance contre eux. Les plus vieux d'entre vous se souviennent de la guerre coloniale. Ils se souviennent comment ces imbéciles se sont entretués pour rien. Ils ont construit des bases partout. Des bases qui sont encore là, intactes et abandonnées. Qui attendent que quelqu'un vienne s'en emparer et s'y installer. Ce quelqu'un, c'est la flotte écarlate. Allez! Prenez possession de leurs installations et portez la... Anyway, il n'y a plus vraiment de menace d'Edgardo. On les a infiltrés puis il est rendu en prison, là. Oh oui. L'univers ne renvoie à aucune certitude. Une fois qu'on s'y trouve, les lois de la physique deviennent plutôt des suggestions. Tu te fiches encore de moi, c'est ça? Qu'est-ce que t'as vu de plus fou? Exagère pas cette fois. Laisse-moi réfléchir. Mince alors. Vous m'avez vraiment trouvé. J'aimerais pouvoir dire que c'est la première fois que ça arrive à Barrett. Mais rien ne serait moins vrai. Hey, c'est en train de devenir une vraie soirée constellation ici. J'aurais dû apporter une bouteille. Oh, mais j'allais vous ramener, Barrett. Pour tout vous dire, je n'ai pas vu le temps passer. Matsura le Cruel est un hôte délicieux. Je vois aucun intérêt à rendre déplaisantes les dernières heures d'un être humain. Tu vois, c'est ce qui me plaît chez toi, Matsura. Tu as toutes les cordes à ton arc. J'ai apprécié faire ta connaissance, Barrett. Mais je peux pas te laisser filer sans une contrepartie. Constellation serait prête à payer une rançon contre la liberté de cet homme? Persuadé. Attends. Tara. Ça va-tu marcher, ça? Non, fuck you, man. Persuadé. Vous voudriez que je le laisse filer sans contrepartie? Let's go, man. Je crains que ce soit... Ah, come on. Attendez. Yeah. Je veux dire qu'il est plus divertissant que la plupart des otages. Barrett sait bien s'entourer. Mais, hein, vous pouvez tous partir. Ce fut un plaisir, Matsura. Sincèrement. Continue de bien... blesser les gens pour leur prendre leur argent. Retournez à la loge. J'ai rien à vous dire. Ah, mais c'est des pirates, on les tue ou non?
une caméra. Caméra antique. Merde. Je sais pas si on devrait les tuer, hein. Bon, tant pis, je m'en fous. Bon, là on va où? La loge, alright. Après ça, j'aimerais ça recruter Barrett, ce serait hâte. Il faudrait qu'il reste au vaisseau. Malgré les menhirs, c'est bon d'être de retour. Je devrais aller me reposer pour avoir un bonus d'XP. J'aime pas de me serrer sur un vaisseau. On n'est jamais aussi bien que dans ses propres quartiers. Désolé pour l'attente, tout le monde. J'ai eu un petit contretemps sur les... Nous étions morts d'inquiétude. Quoi de neuf? Attends une minute là, j'allais dormir. Là, je suis en train de manquer un dialogue. Yes. En as-tu de bof? J'ai pas vu Sarah avec moi. On l'a, ok. Tiens, bonjour. Ah, t'es là, toi? Ah, tout le monde est là. La galaxie est trop grande pour rester coincée dans un seul endroit. Avez-vous de nouveaux ordres? Vous le sentez un peu, vous aussi, hein? Depuis que j'ai trouvé le deuxième, j'ai des visions. Être près d'eux est réconfortant. Bon, sinon, je suis pas encore tout à fait remis. Et puis c'est de ma faute si vous trempez dans cette histoire maintenant. Pourquoi ne pas rester dans le coin? Si je vous aidais à découvrir les recoins mystérieux de l'univers... Voyager ensemble, oui. Merveilleux. Si vous avez un moment, j'aimerais vous parler de quelque chose. Votre façon de dire les choses, pas mal. Qu'est-ce qui vous tracasse ? Eh oui, Sarah ? Elle est pas partie, elle, là ? Moi, juste à recruter dans mon crew, je caille au vaisseau, c'est tout. Compliqué, man, à recruter quelqu'un, je trouve. Où ça rend? Ah, les autres, ils vont au vaisseau. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai perdu Sarah. Ok. Capitaine, au revoir. Merde. Elle est non affectée. Lui, il est affecté. Non affecté, non affecté. Fait que j'en ai juste 3 d'affectés. Ouais, elle est non affectée, non affectée, non affectée. Écrit, j'en ai juste 2 d'affectés. Là, on est 6, après ça, lui va être 7. Ok, puis ça, mettons, j'enlève elle. Mettons, je l'enlève là. Attends, il... Ah, oh, ok, non, ils sont tous là, le reste, ok. Merde.
Ok. J'en ai juste 3, c'est plate. Il s'en va à la loge. Non, si, ça va dans le vaisseau, Sam. Ah, c'est qu'ils font chier. Ouais, oh non, ils sont partis à Jameson. Ils sont partis à Jameson, là. Je l'ai même plus dans mon crew. T'es-tu sérieux, là? Ben, plate. Ok, elle, je l'avais dans mon vaisseau. Lui, je l'avais dans mon vaisseau. Ok, garde le fan, tant pis, là. Moi, je veux Sam dans mon vaisseau. Ah, Lynn est partie à Jameson, là. Ils sont tous à la loge. Ah, tant pis, là. Regarde, je sais pas, là. Je ne sais pas. Je n'étais pas certain que vous reviendriez. Sur quoi vous travaillez, si c'est pas indiscret? J'analyse des données que Sarah a récemment. Bon, écoute. Pour mon équipage, là, Barrette, là, tant pis. Check, je vais toutes les enlever, ok? Je vais toutes les enlever. Non affecté, non affecté, ok, parfait. Elle, je vais l'affecter, je la veux. Je veux... Ben là, Sarah, elle, c'est mon compagnon. Je veux qui? Je veux un robot. Je veux Samco. Et c'est tout en fait. Ouais. On récupère sur le terrain, on collabore pour une étude. Constellation à l'air. Je sais pas que vous travaillez. Je pensais vraiment que vous compreniez mon point de vue, Sam. J'ai toujours travaillé dur. Très bien. Demandons-lui son avis dans ce cas. Mon travail. Dites, vous auriez une minute? Eh merde. Sam et moi étions en train de discuter et je voudrais avoir un avis extérieur. Je crois qu'il serait plus juste de dire que vous et moi sommes maintenant pris au piège. Mais bon... J'aimerais bien, vous savez, me remettre en forme, faire de l'exercice. Alors j'ai demandé des conseils à Vladimir et en résumé, il m'a dit qu'utiliser des poids était une mauvaise idée. Vous êtes sûr que c'est ce qu'il a dit? Ou bien c'est ce que vous avez entendu? Enfin bref, je voulais l'opinion de Sam à ce sujet et il m'a dit plus ou moins la même chose. Ok, puisque maintenant vous n'avez plus le choix, revenons un cran en arrière si vous le voulez bien. J'ai simplement fait remarquer que quand on regarde Matteo, soulever des poids n'est pas forcément la première chose qui vient à l'esprit. Je me demandais s'il existait une solution plus adaptée pour lui, et réfléchissais s'il valait mieux rester aux choses qu'on est plus susceptible de faire, ou bien carrément essayer quelque chose d'entièrement nouveau. C'est quoi votre opinion à ce sujet? Vous pensez qu'il vaut mieux rester sur ce qu'on connaît, ou bien profiter de l'opportunité pour tenter quelque chose en dehors de sa zone de confort? Vous n'irez jamais nulle part si vous ne prenez pas de risques. Ouais, vous n'irez jamais nulle part si vous prenez pas de risques. Bon, eh ben, vous avez votre réponse. C'est bien ce que je disais. Eh bien, merci. Je crois que je vais essayer. Et vous inquiétez pas, je demanderai des conseils à Vladimir. On vous soutiendra, quoi qu'il arrive. Personne ne veut vous voir blessé, c'est tout. Je dois l'admettre, vous me surprenez. Je pensais que vous alliez partir après avoir eu ce que vous vouliez de nous. Mais j'avais tort. J'ai besoin de vous pour une petite soirée que j'organise. Ok. Ça concerne un artefact. Notre objectif est simple, nous allons l'acheter. Notre vendeur est un agent libre de la ville de Néon. Ce qui veut dire que l'artefact a très probablement été volé. J'ai juste besoin d'un peu de présence supplémentaire pour montrer que nous sommes sérieux. Et je pense que vous feriez parfaitement l'affaire. Ok. Alors c'est réglé. Nous devrons juste faire quelques arrêts une fois en ville, et ensuite je paierai ma tournée. Ce sera facile, je vous le promets. Je vais rester à bord de votre vaisseau jusqu'à ce qu'on arrive à Néon. Dites-moi simplement quand on pourra y aller. C'est bon pour moi? Direction le système Voli dans ce cas. Let's go. Je compte passer chez l'épicier tout à l'heure. Prendre 2-3 choses que tu aimes bien. Bon là, je sais pas si le robot Vasco, il vient pas. Thank you.
Un coup que j'atterris à Noatlantis, tout le monde débarque du vaisseau, ça qui est plate. Ah là, j'allais me guérir, là. Moi, j'aime ça quand Sam est avec moi parce qu'il y a sa petite fille. Je trouve ça cool d'avoir un enfant dans mon vaisseau. Ça rajoute un petit crew. Quelque chose ne va pas? Non, ça va. Sam, il est là. Là, tout le monde a disparu. J'ai un gros vaisseau. Je peux même pas recruter tout le monde que je veux. Là. C'est vraiment en plate. Ok, mais là, Sarah est où? Et Sarah aussi a disparu. Là. Ah. Ok, bon, regarde. Le robot, il est même pas là. Fait que ça sert à rien de... Sarah est où, man? C'était mon compagnon. Sarah. Ok, garde, je pense que je vais dormir. J'espère qu'elle va arriver là, d'ici ce temps-là. Ah, c'est compliqué, man. Je trouve ça plate là, pour l'équipage. Là. Et où Sarah, merde. Elle a juste disparu, elle, là. Là. Bon, enfin. Vous avez trouvé ça dingue? Peu importe ce qu'il vous faut, pas de soucis. Il retourne? Toujours. Bon. Good. On va aller dans mon vaisseau. Là, vu que Sarah est avec moi, on va l'enlever de là. Ok, lui il est affecté. Il y a elle que je vais garder absolument. Là, j'hésite entre Barrett ou Marika. Marika, je l'avais payé. Marika, c'est. Je sais pas. Mais elle fait pas partie. C'est pas un personnage important, tu sais. Allez, viens. Vous avez besoin de quelque chose? Bon, on peut y aller, là. Vous avez de nouveaux livres pour moi? Ah oui, c'est vrai, attends, je voulais me soigner avant. Bon, c'est quoi mon statut, là? Je suis correct? Ah, ok. Je suis allé dormir, c'est pour ça. Non, Néon, c'est pas vraiment une ville que j'aime. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, la petite faction plate, là. On y est. Touchez pas à l'aurore, sauf si vous avez envie de vous griller le cerveau. Oh, c'est quoi qu'il veut, lui? Ah, je pense qu'on va arrêter cela pour tout de suite. Ouais, on va arrêter cela pour tout de suite. Moi, je vais retourner dans mon crew, là. Je vais aller revoir un peu, là, mon crew. Checker ça un peu. Ça, c'est poche, là. J'ai donné des bonnes tenues pour tout le monde. J'ai Sarah avec moi. Ah, le robot, il est là. Capitaine, puis-je vous aider à bord de votre vaisseau? Ouais. Salut. Ok. Sam? Ok. Le robot, il est là. Oh, c'est bizarre. Il est même pas assigné.
Ah, ça c'est hot, t'envoies un robot. Ok, ma arca est là. Bizarre. Je comprends plus rien, man, la façon que ça fonctionne, honnêtement, là. Marika, je vais donner une tenue. La tenue qu'elle a est quand même cool, là, mais... On voit que c'est la seule qui fait pas dans la place. Je pense que je vais donner... camisole de même, là, ou quelque chose du genre, ou... Je veux que le monde soit comme un peu original. Il y a peut-être cette tenue-là qui est cool. Petite tenue de pirate. C'est toujours une bonne journée. Rebonjour. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Ouais. On se donnera des nouvelles plus tard. Ok, elle est là. Ben là, c'est quoi, man? Hey, je comprends plus rien. Là, j'ai mon robot avec moi. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait là, en fait. Et Sidonia. Nouveau départ. New Atlantis. Barrette est à la loge. C'est ça qui est plate. Personne veut venir dans mon vaisseau. Ouais, écoutez, nous on va s'essayer là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Ok, le côté équipage, là, je suis pas sûr de comprendre la façon que ça fonctionne. Mais, en tout cas, ça a l'air que c'est comme ça pour l'instant. Donc, un grand merci à ceux qui ont pris le temps de regarder. Et un grand merci à ceux et celles qui prennent le temps de liker, qui s'abonnent également. Ça m'aide beaucoup, j'apprécie énormément. Donc, un grand merci à vous. Nous, on se retrouve pour la suite. Restez à l'écoute, à la prochaine. Ciao.